Oh, mais maman, pourquoi tu as éteint la télévision? Il y a des choses que les enfants ne doivent pas regarder. Mais maman, le monde a évolué. Voir des acteurs s'embrasser dans leur film est tabou. Pas du tout. Hé, il y a encore là, et vous, les gars, pour toi, dis quoi? Sans quoi? Non, mais tu es fou là. Je dis, oh, ces choses-là, ce ne sont pas pour les enfants. Elles voulaient de là. Vous êtes encore les bébés. D'ailleurs, ces feuilletons ne doivent pas être diffusés à des heures pareilles. Ah, ce pays, sans aucune. Mais maman, c'est plus grave de cacher ces choses aux enfants. Le mieux, c'est de discuter avec eux. Gagner leur confiance en échangeant sur les questions de santé reproductive. Tu vas y arriver. Je suis là pour t'appuyer. Comme ça, je l'ai dit,
goutte à goutte ne venez pas me remplir la goutte. Je suis là pour t'appuyer après qu'il s'agit de l'éducation de nos enfants. Bon, d'accord. Est-ce que maintenant, appelle-les. Ok. C'est toi qui commence. D'accord. Oui, papa. Oui, papa. Soyo. Bonsoir les enfants, et j'ai échangé, je suis venu tout à l'heure quand vous regardiez le triomphe de l'amour. Exactement. Mes enfants, comprenez ceci, vous et nous n'avons pas été à la même école. Nos époques ne sont pas les mêmes, les réalités ont changé et les choses évoluent tellement vite. Je suis d'accord avec toi, papa. Mes enfants, je voudrais partager avec vous cette célèbre phrase de la grande royale du roman « La voiture ambiguë » de Tchèque Amélou Kal, qui dit « L'école où je pousse nos enfants tuera en eux tout ce que nous aimons et conservons à juste titre. Notre souvenir, lui-même, mourra-t-il en eux. Il y en a, quand ils nous reviendront de l'école, ils ne nous reconnaîtront pas. Ce que je propose, c'est que nous acceptions de mourir à nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée de nous. Donc, messieurs, nous ne sommes pas en conflit avec vous. Notre monde d'aujourd'hui doit être un monde de discussion, un monde d'échange, un monde de concession. Fantastique, papa. Nous aussi sommes ouverts au dialogue. Bon, les enfants, j'ai retenu deux belles phrases de mes échanges avec mon père. La première, nos graines et cochons les plus chers, ce sont nos enfants. La seconde, c'est goutte à goutte que le vin ne va pas remplir la goutte. Mes chers enfants, nous vivons des moments de mutation. Nous allons devoir accepter de faire des sacrifices pour votre bonheur. De mieux en mieux, papa, t'as fait un sacré travail. Il a pu faire changer ta vie, maman. Super, oui, ma fille, tu alors, Kwefa, oui, vous êtes mes enfants. Et j'ai une question pour vous. Kwefa, oui, papa. C'est qui déjà ton petit ami? La boîte! Alors, toi, tu écoutes, tiens le mot. Et Soyon, et ta femme, c'est qui déjà? Fatima. Mais je suis le fait qu'il faut dire la vérité. C'est un bon depuis. La belle est désormais. Mais mes enfants, je voudrais vous rappeler quelque chose. Avant de réclamer vos droits, vous devez accomplir vos devoirs. Et vous, votre devoir premier, c'est de réussir à l'école. D'obtenir vos diplômes. Et le reste, vous avez tout le temps. De grâce, ne perdez jamais de vue cette réalité. D'accord, papa. Merci, papa. Tu toi,